مساء الخير، نحن معكم مباشرة من معرض الكتاب الفرنكوفوني ببيروت، مباشرة من بيال وحول أكيد الكثير من الزوار. اليوم راح يكون في مقابلات حصرية مع كتاب عالميين وأيضا تغطية لنشاطات عديدة بالمعرض. مثل ما سبق وأطلقت مسابقة لوتور دو جور اليوم بكتاب، رح أرجع أذكركم بأكيد ثلاث أمور لازم تعرفوها. هو أكيد سيت أن أوتور فرانكوفون نون فرانسي qui signe aujourd'hui et qui signe le 2 novembre. Il a écrit et a co-édité son premier livre avec un auteur libanais. Donc vous pouvez répondre. Toutes vos réponses pourront être affichées sur ce Twitter account at l'auteur du jour. Donc كونوا كتار لتجاوبوا على الاسئله اللي طرحتها. اكيد لازم تعرفوا مين الكاتب والربحان اليوم بآخر الحلقة أكيد بيكون معه كتاب بيربحه من ليبراري أنطوان للكاتب اللي عم نحكي عنه. وهلا بنتقل لإلسا. إلسا بونسوار كهان. بونسوار. الأجواء حلوة كثير اليوم من المعرض مثل ما عم نشوف. في عجقة كثير وفي كثير زوار عم بيتوافدوا على لوبيال تيشاركوا بمعرض الكتاب الفرنكوفوني. بس قبل ما نبلش حلقتنا مثل كل يوم مباشرة على الهواء بذات التوقيت بخلال العشرة أيام لحديث 4 تشرين الثاني، بدي بلش بالكويز. الكويز جو سالون دو ليفغ رح يكون مسابقة بتخولكم مشاهدينا والأشخاص الموجودين هون بالصالون كمان انه تربحوا جوائز عديده جدا وجوائز قيمه. رح نبلش لكينا دائما نسال السؤال باول الحلقه، رح اسال هلا السؤال وبطلب منكم توجهوا لي الاجوبه عبر تويتر على الادريس يلي رح تبين عندكم على الشاشه لو كويز اس دي ال. وكمان المشاركين اللي موجودين بالمعرض وفيكم تجوا كل يوم بذات التوقيت على المعرض فيهم يجاوبوا مباشره من هون، ورح يكون في سحب باخر النهار والرابح مثل ما قلت رح يكون عنده الفرصه ينال على جوائز قيمه كثير. لكن سؤالنا اليوم قبل ما نبلش جولتنا على النشاطات العديده والمتشعبه جدا من هذا المعرض، السؤال هو التالي. On peut s'y plonger sans jamais se noyer. Qui suis-je? On peut se plonger sans jamais se noyer. Qui suis-je? Je vais vous donner un petit peu de soucis. Je vais vous donner un café. Je vais vous donner un café. Je vais vous donner un café. أكيد كاتبة من أصل لبناني ولكن مقيمة في فرنسا. رحب فيها باولا سلوان داهر. Vous êtes la bienvenue. Merci. Et je sais que vous signez votre second livre aujourd'hui au Salon du Livre. Demain. وأيضا بحب رحب بكاتب جزائري الأصل وأكيد صارت شهرته عالمية. مسيو صلاح كريم بريش. Vous êtes le bienvenu. Ça nous fait grand plaisir de vous recevoir à la MTV en direct du Biel pour parler de votre dernier ouvrage, Alger la Blanche, un très beau roman historique, comme tous vos romans en tout cas. D'abord, nous savons que ça fait depuis 1972 que vous êtes en France. Oui. Et vous avez aussi beaucoup de livres que vous avez édités, comme Un amour de djihad, roman historique sur la bataille de Poitiers en 1995, Dictionnaire des mots français d'origine arabe, en tout cas c'est un dictionnaire très intéressant, Enquête sur les conversations en terre d'islam, L'homme de la première phrase, et aujourd'hui Alger la Blanche. Sachant que vous n'êtes pas né à Alger, vous rendez hommage à cette ville dont vous parlez. C'est un hommage aussi, et c'est un roman surtout historique où on retrouve beaucoup de détails et beaucoup aussi de documentation. Oui, oui, oui. Quand je me suis lancé dans le projet, je ne pensais pas faire donner cette structure donc au livre. Mais c'est vrai que j'ai découvert plein de choses sur la ville. Comme disait Alphonse Daudet, c'était on venait en conquérant. Et on rentrait en conquis. Donc c'est vrai que cette ville a conquis beaucoup de monde, d'artistes, ouais, d'écrivains. Je peux vous dire ce qu'il en est avec les Goncourt, puisque le salon reçoit le jury. Goncourt. Ben figurez-vous que les Goncourt,
c'est eux qui l'écrivent, hein, ont commencé leur carrière d'écrivain après leur visite à Alger. Bien sûr. Alors qu'ils étaient partis en artiste peintre. Ouais. En tout cas, vous dites aussi que c'est Alger dans tous ses états et Alger de tous les états. Donc Alger dans tous ses états, on peut comprendre, mais comment ça se fait que ça soit Alger de tous les états? Alger et l'Algérie n'ont pas été seulement conquises par les Français. Donc Alger a été d'abord, disons entre guillemets, turc, mais avant les Turcs, il y avait d'autres. Les Espagnols ont occupé Alger, ce qu'on sait très peu, donc ce côté de l'occupation espagnole qui n'a pas duré, parce que grâce, toujours guillemets, à l'intervention de ceux qu'on appelait les frères Barberousse. Donc, curieusement, pour les Français, on croit qu'ils avaient la barbe rousse, non, c'est Baba Arouj, donc c'était leur surnom, et qui n'avaient rien ni de berbères ni d'arabes. C'était des je crois, d'origine grecque, hein, qui se sont islamisés. Donc, mais avant les frères Barberousse, donc l'Espagne, et avant quand même, la ville a été berbère. D'ailleurs, on dit que le nom de Dziri, Dzair, vient de Bolorin ibn Dziri, qui était une dynastie, le chef d'une dynastie berbère. Ouais. En tout cas, vous vous rendez hommage d'une façon extraordinaire à Alger, avec un style, comme d'habitude, très percutant. Paola Selvan, vous avez écrit votre premier roman, donc Café Noir, Café Blanc, édité donc en France en 2010. Et là, nous voilà, Oublié Alep, votre nouvel roman que vous signez au Salon. Pourquoi Oublier Alep et pourquoi cette histoire entre l'amour et entre l'amitié, entre surtout une relation un peu spéciale entre deux femmes? Bon, le titre, c'était une grande histoire avec mon éditrice, puisque à la base, c'était pas le titre original. Et puis en fait, on s'est mis d'accord sur Oublier à Alep, parce que l'histoire, bon, se passe bien sûr à Alep, et ce sont des personnages qui sont en fuite perpétuelle. Alors ils se retrouvent à Alep tous parce qu'ils ont fui quelque chose ou qu'ils cherchent à fuir quelque chose. Et ils essayent d'oublier leurs soucis, ils essayent d'oublier la vie dans laquelle ils sont et ils n'y arrivent pas. Parce que finalement, on peut aller partout et nos problèmes restent avec nous. Maintenant, pour l'histoire de l'amitié entre les femmes, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est imposé à moi. Parce que je travaille énormément avec des femmes, je suis membre d'un collectif féministe au Liban. Et je pense que c'est des relations qui m'intéressent beaucoup entre les sœurs, entre les amis, et comment deux personnes très différentes... En tout cas, il y a toujours une relation très ambiguë entre les femmes qu'on ne retrouve pas entre deux hommes. C'est-à-dire il y a toujours beaucoup d'amour peut-être, mais aussi beaucoup de jalousie, beaucoup de complicité. Alors, ça dépend. Je pense que chaque relation, indépendante du sexe ou du genre de la personne, est différente. En tout cas, félicitations. Merci. Et bonne chance pour les signatures. Monsieur Salah Gemrich, merci beaucoup. Merci. Et aussi bonne chance. Et Paola Daher Selwan, merci encore. Elsa Schoendick, elle a pas fait une finance à tirer bis Salon. كارين أكيد هلا نحن على الهواء مباشرة من ستاند ليبريري ستيفان وعم بيوقع فيليب شابوي الياس زيب البان ديسيني تبعه رح نسأله سؤال زيب سيل فوبلي vous êtes en direct sur la future TV donc on va faire attendre le flot de visiteurs que vous avez sur la MTV et donc on va attendre le flot de visiteurs qui sont ici pour vous poser une question. Un tel talent c'est sûrement dû à un don personnel mais aussi surtout à ce jeune bonhomme à la mèche blonde. Comment vous qualifiez ce succès? C'est difficile. On est toujours heureux quand ça nous tombe dessus, hein, le succès. Moi, j'ai fait beaucoup d'autres personnages avant Titoff qui n'ont pas connu de succès. Tout à coup, on en invente un qui plaît au public, des gens se déplacent, ils l'aiment, ils se reconnaissent en lui. Au départ, Titoff était un personnage plutôt pour une bande dessinée qu'on imaginait adulte. On s'est rendu compte, après deux ou trois albums, qu'il y avait énormément d'enfants qui venaient en dédicace aussi, donc qui se réclamaient aussi de ce personnage. C'est le bonheur. Je crois que c'est Uderzo qui disait « il faut être reconnaissant et puis la fermer ». Enfin, voilà, ça ne sert à rien de donner trop de théories. On ne sait pas pourquoi les choses marchent. Et ça... On sait aussi que vous êtes un grand fan d'Uderzo vous-même, n'est-ce pas? Oui, ouais, bien sûr, ouais. Comme un peu toute la profession. Hein.
Zep, une question encore. On voit que parmi vos lecteurs, vous avez beaucoup de grands, d'adultes, tout le monde est là et vous avez beaucoup d'un fan club énorme à la MTV, croyez-moi. Tout le monde vous salue, tout le monde vous dit on attend le prochain album. Et donc, dites-moi un peu, la bande dessinée Les Adultes, c'est quoi ? Il y a une bande dessinée adulte. Hein. Moi, je pense que la bande dessinée, pendant des années, a été exclusivement jeunesse, pour la jeunesse. Même ça fait longtemps qu'il y a une bande dessinée aussi pour les adultes. Alors, il y a des bandes dessinées exprès pour les adultes, d'autres exprès pour les enfants. Pour moi, Titeuf, c'est une bande dessinée pour les gens qui gardent un lien avec leur enfance. Quel que soit leur âge, j'ai des lecteurs qui ont 85 ans. Pourquoi pas ? Ils n'ont pas oublié leur enfance. Vous avez déjà préparé votre dernier album, le prochain ? Je suis en train de travailler sur un prochain album, mais qui ne sera pas un album de Titeuf. Il y a un autre projet. Et entre deux albums de Titeuf, il y a toujours un autre projet. Merci beaucoup et bonne chance. Je vous laisse à tous vos fans. Et donc, on va rester avec Imbrique pour revenir tout de suite au studio de la MTV Live du Biel. مشاهدينا الكرام بنرجع على القسم الثاني من اكيد النقل المباشر من معرض الكتاب الفرنكوفوني بين بيال وبحب استضيف تانيا مهنا حجي توماس مهنا ça va bien bonjour on va parler en français puisqu'on est au salon et puisque on va parler des 365 jours pour rester positif au Liban ça c'est un grand travail. Oui, c'est ça. En fait, voilà, les éditions Tamiraz, dont je suis la directrice, chaque année publient un agenda. Et cette année, on a eu envie de publier un agenda un petit peu clin d'œil pour dire qu'on peut très bien rester positif au Liban. De toute façon, on n'a pas le choix. Et cet agenda regroupe en fait plein d'initiatives de la société civile, des blogs, des sites internet, ouais. Des bonnes nouvelles. Chaque jour, quelque chose qui va nous faire sourire et se dire que finalement, il fait bon vivre au Liban quand même. En tout cas, on remarque, donc c'est le troisième de la série des 365 jours. C'est le quatrième. C'est le quatrième, tu en as fait déjà trois. On a parlé dans mon émission culturelle. C'est le cinquième. Culturelle. Exactement. C'est le cinquième. C'est le cinquième déjà. Cinquième enfant. Voilà. Et donc, il y a chaque jour, il y a un petit mot pour qui va pouvoir nous faire rire, voilà. Pour qu'on reste positif. Exactement. Et on peut dire que sur 365 jours, il y a vraiment 365 astuces pour rester positif. Comment tu as pu, Tania, avoir tous ces astuces-là ? En fait, j'ai été puisée dans ce que la société civile, les jeunes, les moins jeunes font. Ce ne sont pas vraiment des astuces, Karen, c'est plutôt des initiatives privées. Mais ça aussi, ça peut aider beaucoup des gens qui ne sont pas positifs à penser positivement. Exactement. Et ça, c'est le prélude d'un grand projet que Tamiraz est en train de lancer, qui est un grand livre qui va regrouper des photos et aussi toutes ces initiatives, mais en photo et en texte. Et nous avons fait un appel à contribution dans le cadre du salon pour tous les gens qui ont des photos sympas, insolites, only in Lebanon, ouais. Qui peuvent nous les envoyer, des initiatives qu'eux font. Il y a des choses vraiment très sympathiques qui font pas seulement sourire, mais qui font vraiment renaître un espoir dans ce pays. Parce que ce pays est extrêmement... Il y a énormément d'énergie. Exactement. Beaucoup, très positif. Malgré tout ce qui se passe, regarde, il y a une semaine, on pleurait vraiment tout ce qui s'est passé avec oui. Tous les morts et bien sûr on a ce dégoût, on a aussi cet an, tout le temps on est inquiet, mais là on est toujours positif et grâce à tes 365 jours pour rester positif au Liban, on peut le rester encore plus. Je sais que tu es directrice des éditions Tamiraz, voilà. Et vous avez beaucoup donc de signatures au salon. Comment tu trouves cette année le salon depuis hier? On a cette signature et on a beaucoup, beaucoup fait pour que les gens viennent. On a envoyé beaucoup de messages en disant « venez faire de la résistance culturelle », etc. Et les gens ont apparemment très envie d'être là parce qu'il y a beaucoup de gens hier à l'inauguration et aujourd'hui. On n'arrive même pas à marcher dans les couloirs. C'est vraiment fantastique. Exactement. Venez, il y a beaucoup d'animations.
Il y a beaucoup de très intéressantes tables rondes. Exactement. Pas seulement chez Tamiras, partout, partout. Non, je sais. Vraiment, bien il faut que les gens viennent parce que c'est très important que ce salon du livre francophone se maintienne et chaque année soit de mieux en mieux et de plus en plus fréquenté. Exactement. En tout cas, on va rester. Nous sommes là pour les 9 jours qui viennent et on va couvrir le salon, on va couvrir tous les Bravo. Auteurs et toutes les animations possibles. Tania, Hadji Thomas, Mhanna, merci beaucoup. مشاهدينا الكرام رح ناخذ بريك ومن بعد البريك رح يكون معي مقابله مع صحفيه وكيت بفرنسيه انصابت بسوريا وعم تكتب قصتها رائعه مع إيديت بوفيه من بعد البريك. نرجع مشاهدينا الكرام منرجع لسالون دو ليف فرانكوفون مباشرة من البيال على الام تي في وبحب اقول انه كتار عرفوا يجاوبوا على السؤال اكيد لوتور دو جور كان فاروق مهدم باي وكتابه نوتر فرانس اللي ربحان معنا هو مسيو اندري حلو اكيد بيربح الكتاب من ليبري انطوان في يستلمه لمن بده اياه وهلا بنتقل لالسا اللي عندها كمان ضيفه جدال عيد نعم كارين نحن هلا بستاند الافاج اسوسياسيون دو جورناليزم فرانكوفون يلي عم بتنظم كل يوم على تمام الساعه 5 بوست كافي والبوست كافي اليوم عنوانها اكريغ ان فرونسي بور كي بور كوا رح نستضيف ضيفتنا مدام جيزيل خياطة عيد يلي كاتبه كتاب كبارنا ديالوج افيك نو زيني يعني وعندها كتب اخرى اصدرتها من قبل بيناتهم اكومودونت مونريال وكريس دو فام رح نسالك جيزيل بالفرنسي لكن بور كوا بور كي Vous écrivez en français. Avant tout, j'écris en français pour moi, parce que c'est ma langue maternelle. J'ai grandi en français, à la maison on parlait français, puis je suis allée à l'école, une école de la Sainte Famille française, puis à l'université francophone, et puis j'ai travaillé aussi dans un centre de recherche français. Donc c'est ma langue de pensée, d'écriture, de lecture. Mais je suis francophone aussi un petit peu par choix, parce que quand j'ai dû aller m'établir au Canada, je suis devenue non simplement francophone, mais aussi francophile. J'avais le choix de... Comme beaucoup de Libanais d'ailleurs. Oui, mais j'avais le choix, d'autant plus que je vivais dans une province qui était bilingue. Je pouvais shifter vers l'anglais pour parler en bon français. Mais j'ai été tentée par l'expérience quelques temps, puis... après un bout, je me suis sentie dépossédée de ma langue. Donc, je suis devenue combattante, si vous voulez, pour la langue française. Je ne suis pas contre l'anglais. Il est incontournable. C'est une langue de travail, c'est la langue qui tourne. Et l'arabe ? L'arabe, c'est nous. C'est la langue de mon pays, des gens que j'aime, de là où je vis. Mais, vous n'écrirez pas en arabe ? Je ne suis pas habituée à écrire en arabe, c'est pour ça. Mais je tiens à écrire en français parce que, je vous dis, c'est une de nos richesses et je trouve qu'on doit la cultiver. Donc, dans votre dernier ouvrage, Kibaruna, dialogue avec nos aînés, vous insistez surtout sur les personnes âgées. Pourquoi ce choix ? Et est-ce que vous pensez que beaucoup de jeunes et de personnes âgées lisent en français ou bien c'est seulement les adultes qui lisent plus en français ? À vous dire franchement, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit parce que j'avais envie d'écrire un livre sur les aînés. Mais je ne peux pas vous dire combien j'ai été étonnée par le nombre de gens qui avaient besoin, comme s'il y avait un besoin de lire sur les personnes âgées en français. Donc c'est comme s'il y a toute une génération qui est un peu occultée au Liban. La génération francophone qui maintient encore ses traditions, sa culture, sa référence à la langue française. Pas nécessairement de France, mais francophone qui s'exprime dans la langue de Molière. Donc non, il y a, et la maison d'édition Tamiras, chez qui j'ai publié Kibaruna, dit la même chose, le public est là. Le public est là, il est varié. On voit d'ailleurs le flot de visiteurs qui vient au Salon du Livre tous les soirs. Gisèle Khayat Aïd, merci beaucoup pour cette entrevue. À bientôt, j'espère. Donc, nous allons nous diriger vers Karen.
مشاهدينا الكرام، معي أكيد إديت بوفيه الصحفية الفرنسية اللي بشباط 2012 انصابت كمان بحلب وبحمص وانقتل زميلين إلها. إديت بوفيه، je sais que c'est pas votre première visite au Liban puisque vous y êtes passé quand vous êtes venu de Syrie jusqu'en France. Vous étiez blessé. Vous avez fait, vous avez écrit un témoignage vraiment poignant, chambre avec vue sur la guerre. Racontez-nous un peu quelle guerre vous avez vécue en Syrie et surtout que c'est une guerre qui continue jusqu'ici. Il y a beaucoup, beaucoup de journalistes qui ont péri et dont deux de vos collègues. Effectivement, quand on est parti avec William Daniels et Rémi Hochelik, on savait très bien qu'on partait dans une ville assiégée depuis une dizaine de jours. On savait très bien que depuis mars 2011, la guerre faisait rage en Syrie. Exactement. Mais on ne savait pas qu'on serait visé, les cibles de cette guerre, qu'on serait vraiment visé par les bombardements ce matin du mercredi 22 février. Et c'est ce qui nous a permis quelque part de vivre la révolution au jour le jour avec ses blessés, ses familles, ceux qui n'ont plus rien à manger, ceux qui n'ont plus de quoi soigner les blessés, enterrer leurs morts. Ouais. Et en quoi, je sais très bien que vous avez couvert beaucoup de points chauds, vous aimez, c'est quelque chose peut-être dans votre nature. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui adorent couvrir tout ce qu'il y a comme guerre, comme danger. Mais en quoi cette révolution et cette guerre en Syrie est différente des autres? Est-elle plus violente? Est-elle plus atroce? Ou est-elle plus visée vers les journalistes et les civils? Non, je pense que là, les journalistes ont été visés, mais sinon, mes confrères qui sont morts sur le terrain, qu'ils soient syriens, français ou étrangers, non, on n'était pas des cibles, ils ont juste été victimes des bombardements du régime qui sont permanents, qui sont de jour comme de nuit. Je pense que c'est une guerre qui est différente des autres pour la simple et bonne raison qu'on entre illégalement dans ce pays et on ne peut se fier à personne. Il n'y a pas de ligne de front établie comme ça l'a été dans d'autres conflits. C'est vraiment mouvant, c'est vraiment fluctuant et c'est très difficile de saisir comment se déplacer, vers où aller, parce que les bombardements viennent de partout et que le danger est partout. Exactement. Vous avez perdu deux de vos collègues, dont Rémi Hochelik. J'étais donc présente en septembre dernier au Festival de Perpignan. Il y a le prix Rémi Hochelik. Est-ce que les journalistes vraiment sont là à couvrir le danger, mais est-ce qu'ils payent pas trop fort le prix de leur vie pour vraiment, si on peut dire, donner l'image telle quelle au monde entier? Je pense que c'est pas un sacerdoce ce métier. Nous, on n'est pas partis pour mourir. Bien pour sûr, mourir, bien on n'est pas parti pour prendre des dangers, on est parti parce qu'il fallait raconter cette histoire, bien il sûr. Fallait montrer être là pour témoigner, pour montrer la réalité de ces massacres, de ces horreurs. Après, même si c'est horrible la mort de tous ces journalistes, ce n'est rien en comparaison des 35 000, et ce n'est qu'un chiffre officiel, les 35 000 Syriens qui sont morts aujourd'hui et des plusieurs dizaines de milliers de disparus. Bien sûr. Donc je pense que de toute façon, une guerre, ça fait des morts, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et j'espère qu'elle finira. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience, à part que vous avez pris votre plume, vous avez donc couché toutes vos pensées, toutes vos émotions, tous vos sentiments dans ce livre? Est-ce que ce livre est un message de paix? C'est juste un témoignage, en fait, ou c'est une autothérapie quelque part? C'est un témoignage parce que pendant ces 10 jours, on n'a pas pu faire. Moi, je n'ai pas pu faire mon métier de journaliste. Je n'ai pas pu raconter tout ce qu'on voyait, toutes les personnes qu'on rencontrait chaque jour. Et du coup, il a fallu faire ce livre pour leur rendre hommage, pour témoigner de ce qu'ils ont fait pour nous, de ce qu'ils font chaque jour, du courage qu'ils ont pour continuer à se battre. Et de la force qu'ils trouvent, je ne sais pas où en eux, pour continuer à espérer. Oui, en tout cas sans espoir.
et Il n'y a pas vie. Donc vous signez votre livre au salon. C'est votre premier passage au salon du livre de Beyrouth. J'espère pas le dernier. Et comment vous trouvez votre vie d'auteur à part votre vie de journaliste? C'est moins alléchant. Il y a moins d'adrénaline. C'est complètement différent et c'est très intéressant d'avoir la chance de pouvoir discuter avec les gens qui ont lu le livre, de prendre le pouls de leur perception. Exactement. De ce conflit, de savoir ce qu'ils ont ressenti, de savoir que peut-être certains ont pu comprendre quelque chose, ont pu être touchés par la force des Syriens et par tout cet amour qu'ils nous ont donné. Bien sûr, en tout cas, Edith Bouvier, toutes nos félicitations et j'espère vraiment que ce livre soit à la portée de tous parce qu'on a tous besoin aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe autour. Merci encore. Mouchéhidine Akiram, Ktebra et Edith Bouvier, chambre avec vue sur la guerre. Anjad Ra'a Jeddan, وبنتقل لإلسا راح ننتقل مباشرة لهيام يارد. هيام بونسوار. On vous a volé le temps de quelques instants à la table ronde que vous êtes en train d'animer à ce moment même derrière nous dans la salle Bay du Biel et qui s'intitule En mission à la Croix-Rouge de 67 à 87. Vous avez justement vous-même rédigé un ouvrage avec Naïla Hachem qui s'appelle Beyrouth comme s'il oublie, sur cette mission à la Croix-Rouge. Pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que je pense qu'il est essentiel, il était essentiel pour moi d'écrire ce livre. Il est essentiel de rencontrer la personnalité de cette femme qui s'est battue, qui a cru dans son engagement humanitaire, dans le secourisme comme une valeur qui homogénéise les, on va dire, qui cautérise les rancœurs, qui cautérise les dissensions communautaires, parce que finalement, quand on aide l'autre, on outrepasse toutes les questions politiques, communautaires, civiles, que porte une guerre, et cette femme a donné de sa vie et son engagement s'est arrêté avec le dossier des disparus que je trouvais aussi important de soulever, dont il était pour moi, ce livre est porteur de ce dossier-là, les disparus, parce que la mémoire qu'on peut leur donner, parce qu'il faut continuer d'en parler, parce que je pense que c'est une cause qui est commune à toutes les communautés qui ont participé à la guerre civile. Je pense que c'est la cause la plus neutre de la guerre civile du Liban. Hiyam Yared, on a l'impression que vous devenez de plus en plus un auteur engagé d'après vos ouvrages. Et votre ouvrage, le second que vous signez bientôt, La Malédiction, également s'inscrit dans ce cadre de guerre. Est-ce que l'écriture est pour vous une sorte d'exutoire? Pour moi, l'écriture est une compensation d'un manque ou d'un manque qu'il y a au niveau de la mémoire concernant la guerre civile, de la mémoire concernant la douleur. C'est aussi un peu une manière à moi d'offrir une thérapie psychanalytique collective dont le Liban a plus que jamais besoin. Effectivement, comme vous le dites si bien. Et en fait, votre ouvrage La Malédiction est, comme tous vos ouvrages, un roman cru, mais de plus en plus cru. Est-ce que c'est aussi une façon d'exorciser ce qui se passe autour de nous, en vous? Écoutez, La Malédiction, pour moi, est un roman que j'ai voulu porteur d'une question qui me taraude, qui est finalement la question des tribunaux religieux dans ce pays, du statut personnel qui est dirigé par des codes religieux. On n'a pas de code civil pour les questions de mariage, d'héritage, de divorce. Donc, contrôle de l'individu à partir de son intimité et de son intimité la plus directe. Et pour moi, déjà, être obligée pour toute femme ou tout homme qui doit passer par là à se retrouver devant un tribunal religieux pour expliquer des questions intimes, ça fait partie du viol psychologique. Alors, si on veut arriver à produire des sociétés démocratiques qui sont de plus en plus libres collectivement, il faut aussi travailler sur la liberté de l'individu. Et ce livre est porteur de ce message d'une femme qui se retrouve devant un tribunal religieux, qui doit parler de son divorce, qui doit expliquer à des juges la raison pour laquelle elle demande la garde et la tutelle de ses enfants, et on lui refuse sa tutelle. Alors c'est un labyrinthe de désespoir dans lequel elle se retrouve jusqu'à la fin du livre où elle en perd la raison. Et je trouve qu'il n'y a pas de sujet tabou. Alors, je n'ai pas une écriture crue. En tout cas, vous n'avez aucun tabou. Non, vous savez, on me dit votre écriture est crue. Mais vous savez, la douleur est crue. Et alors, la douleur, pour pouvoir être portée, elle a besoin d'une écriture qui parfois se met à son niveau. Voilà. En tout cas, on va vous rejoindre demain, Hiyam Yared. À quelle heure et à quel stand? Alors, c'est à 17h, un débat sur justement ce livre qui s'appelle La Malédiction.
et après une signature à 18h au stand El Bourj. Excellent. Et en direct, nous avons maintenant le Premier ministre libanais, M. Najib Miati, qui est arrivé maintenant au Biel et qu'on va interviewer tout de suite. Et donc, nous nous dirigeons vers lui. On le voit attroupé ici entre les visiteurs. دولة الرئيس سؤال إذا بتريد نحن مباشرة على تلفزيون الام تي في عم نغطي معرض الكتاب الفرنكوفوني هيدي فرحة كبيرة إنه تكون بيناتنا اليوم هل هي رسالة إنه الثقافة أهم من أعمال الشغب والعنف اللي عم نشوفها؟ أكيد إذا ما أردنا للشغب وللعنف الثقافة هي أهم وهيدا مناسبة كتير مهمة إنه لبنان دايما هي بيروت بالذات عاصمة الثقافة وكتير سعيد أن يكون اليوم بهالصالون الفرنكوفونية ونحتفل بعيد العشرين ومنتهز هالمناسبة كمان بشكر الكل اللي ساهم بنجاح هالمعرض وخاصة الكتبة والمثقفين اللبنانيين اللي بيعملوا بالفرنساوي وبنشكر كمان السفاره الفرنسويه وبنشكر كل مين ساهم دولة رئيس انت اي ميرسي اكيد اي نوع كتب بتحب تقرا الكتب اللي حياتها التاريخ اكثر شيء نشكرك ميرسي كثير لكن ننتقل لك كارين مشاهدينا الكرام اكيد بهالكلمه الحلوه من رئيس الوزراء اللي عم بيقول ويأكد انه الثقافه اهم من كل شيء بتمنى انه نعرف ونعتبر انه السياسه هي ثقافه والثقافه السياسيه هي اللي بتخلينا نوصل الى سلام بكره بشوفكم بكتاب الساعه 1:50 مع هيام يارد تنحكي عن كتابها لي ماليديكسيون ومع مسيو ابراهيم ثابت وايضا نرجع بنلتقى بكره من عشيه مباشره من البيل على الساعه 6 كونوا على الموعد